Je procède à l'appel. Je suis présent chez le pouvoir de Martin Diaz-Guerinel, Nicolas Jacques Boudet est présent, Pierre Louis-Huel est présent, Daniel Collineau-Jury est présent, Yves Alix à pouvoir de Françoise Jarneau. Ah bon? Fanny Larmette à pouvoir de Cédric Mel. Patrice Camus à pouvoir de Véronica Henriquet. François Jarneau, représenté par Yves Alix, Véronica Henriquet par Patrice Camus, Cédric Mel par Fanny Larmette, jusqu'à son arrivée vers 45. Hervé Le Goy présent, Nathalie Pizaché, je n'en ai rien. Didier Grelier est présent, Viviane Le Goff, alors j'ai un pouvoir par devers moi, mais il n'est pas là. Il est passé. Donc pour qu'un pouvoir soit valable, il faut qu'il soit signé. Il est bien mentionné, Viviane Le Goff, mais il n'y a pas de signature. Je peux signer? Oui. Romain Bivin, je n'en ai rien. Et Christian Milesi est présent. Le quorum est atteint, nous pouvons valablement délibérer. Alors, l'ordre du jour est relativement bref. Néanmoins, il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance. Alors. Le secrétaire, mais pas la secrétaire. On peut arranger ça. Bien, je. Alors, le cahier étant là, Daniel, je propose que Daniel Colino soit secrétaire de séance. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Nous sommes absents. S'y oppose? C'est à l'unanimité. Merci. Vous avez tous reçu le procès-verbal de la dernière séance. Y a-t-il des observations apportées à l'ordre du jour? Pas d'observation. Je le mets au vote. Abstention. Opposition. À l'unanimité. Je vous remercie. Le premier point, qui d'ailleurs, c'est ce qui nous oblige aujourd'hui à se réunir en séance du conseil municipal, c'est le rachat des biens acquis par l'EPF de Bretagne dans le cadre de la convention opérationnelle d'action foncière, secteur du Tertre, ou la prolongation de la convention. Donc, vous avez reçu les éléments, nous avons déjà abordé ces éléments-là en d'autres séances, et vous avez reçu les éléments, la situation, tout le monde, situation géographique, tout le monde la connaît. Aujourd'hui, quelle est la question qui se pose? Donc c'est bien la prolongation de portage de 2 ans que l'EPF est d'accord pour alors, certaines conditions. De nous proposer lors de son futur bureau la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, ou bien de racheter comme il était prévu, puisque nous sommes au terme des 5 années de portage de l'EPF. Alors, si nous optons pour la prolongation, à quoi cela nous engage-t-il? Bien, la prolongation de portage de 2 ans proposée maximum reste d'ailleurs relativement exceptionnelle dans les fonctionnements de l'EPF, me semble-t-il, va modifier les articles 4 et 10 de la Convention. D'abord, l'article 4 sur la durée de la Convention qui se terminerait le 31 décembre 2021 et l'article 10, durée du portage. Les parcelles seront revendues au plus tard, le 31 décembre 2021. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'EPF, de toute façon, au plus tard, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aller jusqu'au terme, il y a des négociations possibles, mais le principe, c'est que les parcelles seraient à acquérir le 31 décembre 2021. Voilà ce que...
ce que je peux vous donner comme préliminaire, la deuxième fait, c'est de baisser la densité de 20 logements à l'hectare. Alors, nous avons demandé effectivement cette modification-là, et nous l'avons reçue. L'abaissement de la densité à l'hectare n'est arrivé qu'aujourd'hui. Ce n'est pas faux de l'avoir réclamé à plusieurs reprises. Alors, nous pourrions, au terme de cette convention, passer d'une densité qui était de 25 à 30 logements, le seuil minimal 25 à 30 logements, à 20 logements hectares. Alors, un calcul rapidement fait, parce que 20 logements hectares, mais il n'y a pas un hectare sur ce terrain, ça me conduirait, alors je ne sais plus si c'est à 6,5 ou à 7 logements sur cette parcelle, au lieu de 8 ou 9. Des parcelles de combien à peu près ? Oh, ce sont des parcelles, alors... Après, ça dépend comment sur la surface. Ça dépend comment on aménage. Ça dépend comment on aménage. Donc, c'est pour avoir une propriété. Voilà. Alors, il y a une démonstration, on va la voir tout de suite. Comme ça, vous verrez mieux, mais après, cela aussi dépend de la manière d'aménager. Voilà. Évidemment, il y a une contrainte, mais la contrainte, elle est la même pour tout le monde aujourd'hui. C'est la réalisation de constructions performantes énergétiquement. Mais dire le contraire serait étonnant. Voilà pour les critères inscrits dans la convention, les critères nouveaux pour l'avenant, donc vous avez la différence. Une densité minimale de 20 logements, sachant que pour les projets mixtes, 70 mètres carrés de surface planchée d'équipement service activité ou commerce équivalent à un logement. Un minima, donc 50% de la surface du plancher du programme consacré au logement. Dans la partie du programme consacré au logement, 20% de logements locatifs sociaux de type PLU. Plus, VLAI, ce sont des logements sociaux, très sociaux. Voilà. Mais cela, c'est aujourd'hui... Je comprends pas la différence entre la gauche et la droite, là. Ah ben, de 25 à 30 logements, on passe à 20 logements. Pour les projets mixtes, c'est pas changé. Minima 50%, 20% de logements locatifs sociaux. C'est vrai qu'on passe à 25, et puis maintenant tu me parles de passer à 20. Oui, c'est la nouvelle proposition de l'EPF. Parce que... Donc... si nous faisons l'acquisition, ouais, si nous ne prolongeons pas, oui. Si nous faisons l'acquisition, on reste dans la convention. Première convention. 25 à 30, oui. Et on a moins de contraintes. Il y a moins de contraintes dans la deuxième. Il y a plus de contraintes dans la deuxième. Avec si tu passes à 20, de 25, tu passes à 20. Non, c'est le contraire. C'est ça que j'essaie de comprendre. J'ai pas compris. Mais si, les critères inscrits dans l'avenant. 3500. Qu'est-ce qu'il y a enfin, convention et l'avenant. Pardon. 3527 mètres carrés. Sur 3527 mètres carrés à l'heure d'aujourd'hui, on doit avoir l'équivalent de 9 logements. Parce que quand on parle de 25 à 30 logements, c'est à l'hectare. Donc on le transpose sur la superficie. Donc on a obligation de construire de 9 à 11 logements ou équivalents lorsqu'on parle de commerce. Si on prolonge, c'est le nouvel avenant, voilà c'est comme ça qu'on dit, le nouvel avenant, là nous n'avons plus l'obligation de faire 9 à 11, mais 7. Donc c'est favorable. C'est plus facile. Si on achète maintenant, c'est 9 à 11 logements, sinon on paye la pénalité. Voilà. On a une clause qui est quand même plus contraignante, c'est dans la partie du programme consacré au logement, 20% de logements locatifs sociaux de type UPE. On n'a pas cette contrainte-là. C'est dit autrement. Oui. Parce que le langage des logements locatifs évolue. C'est pour ça. retenez le chiffre 20%. D'accord. Non, il y a moins de contraintes concernant le nombre de logements à construire, l'obligation de logements à construire. Il y a moins de contraintes dans l'un que dans l'autre. Vous voyez, le rapport, c'est de 9. Il y a deux logements, mais deux logements sur un terrain de 3527 mètres carrés, c'est beaucoup. Ça ne paraît pas comme ça, mais c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, un minima 50% de la surface Donc, quel logement minimum
Jean-Pierre, je n'ai pas compris la question. À minima 50% de la surface de plancher du programme consacré au logement. Si on fait du commerce et du service, il faut... Voilà. Il faut qu'au moins, dans ces logements-là, vous ayez une part de logement, 50% de la part de logement. Et si vous voulez faire... On peut imaginer, par exemple, un immeuble. Dans l'immeuble, vous avez un rez-de-chaussée qui est dédié au service. Et donc, sur la somme, sur le volume... C'est le volume total constructible, il faut qu'il y ait au moins 50% consacré au logement. Uniquement au logement. Est-ce qu'il peut y avoir 100% consacré? Oui, bien sûr. Voilà. Rien n'empêche. Voilà. Non, c'est une mesure de précaution. C'est pour éviter que... Parce que la fonction de l'EPF, la vocation de l'EPF, c'est pas de faire du logement commercial. Enfin, voilà, c'est ça. C'est de faire l'habitat. Mais on sait aujourd'hui que... Parce que la règle n'est pas propre à Josselin. On applique des règles qui sont... universel dans la géographie de l'EPF de Bretagne, on aurait très bien pu avoir dans une rue de Josselin, l'EPF a acheté un bâtiment, et nous aurions voulu faire du commerce, de l'artisanat, nous aurions eu les mêmes obligations. Donc, c'est clair, pour bien comprendre les choses, si nous restons et que nous rachetons dès aujourd'hui, nous sommes sous le régime, l'ancien régime, enfin le régime actuel, mais c'est pour dire c'est l'ancien régime, donc ces obligations-là, si on ne remplit pas ces obligations-là, dans les 2 ans à venir, nous avons 21 000 euros de pénalité. Si nous transférons si nous transposons cela dans un nouvel avenant, eh bien, nous aurons moins de logements et nous n'aurons pas les 21 000 euros à payer. C'est 5 ans. Si on reste dans la convention et que l'on... Vous n'avez pas le projet de la convention. C'est 5 ans. 5 ans. 5 ans. 5 ans. 2 ans. Oui, j'ai 5 ans. 5 ans. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que si on achète, on est lié quand même par la convention après l'achat. Oui, pardon. C'est-à-dire qu'on se dit, le fait d'acheter ne nous dédouane pas de respecter le contrat de la convention. Non. Mais ça, c'est la convention initiale. Si on rachète et que l'on, dans les 5 années... on a un projet qui sort de terre, on échappe aux 21 000 euros. Mais avec les contraintes de 9 à 13 euros. Voilà. Si on veut échapper à ces contraintes-là, on a les 10% de pénalité au bout des 5 ans. Mm-hmm. Voilà. Si on veut faire du 6 logements ou sur... Ouais, ou si on peut... Oui, c'est ça. Voilà. On a 20% de 21 000 euros de pénalité. Dès qu'on enfreint... Dès qu'on passe la convention. Oui. Donc voilà pour cette... Il va avoir 4 logements et du service pour 208 mètres carrés. Non, je ne pense pas que ce soit comme ça. Non, ce n'est pas comme ça que ça se calcule. Je ne suis pas un urbaniste. Je ne vais pas me lancer dans l'application. Sauf que ce que je retiens, moi, c'est au moins 50% d'habitat. Mais l'habitat n'est pas forcément... l'emprise de l'habitat n'est pas forcément au rez-de-chaussée. C'est en volume, parler en volume. On peut supposer qu'actuellement, ils ont discuté, ils ont revu leur truc. Oui. Donc on peut supposer que dans 5 ans, ils reverront leur truc aussi. Si on discute bien. Généralement, il faut mettre un peu fini à nos affaires. L'avenant à la convention. Il n'y a pas de nouvelle convention. L'avenant à la convention, elle est d'une durée de 2 ans. Je suppose que. L'avenant nous amènerait à décembre 2021. Oui. Si aucun projet n'a été même ébauché, on aura de nouveau les 5 années à l'issue desquelles on aurait des pénalités. Éventuellement, oui. Voilà. Sauf négociation. Donc le challenge, c'est les 2 années de l'avenant suffiront-elles à faire sortir un projet? Je n'ai pas de boule de cristal. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Je n'ai pas de boule de cristal. Mmh. Mais si je ne prends pas cette option-là, je suis sûr que je vais. D'abord, j'aurai des contraintes supplémentaires pour rester dans la convention qui nous lie aujourd'hui. Mmh. Et deuxièmement, je ne suis pas plus sûr non plus d'avoir un projet. Parce que la pénalité sera la même dans 2 ans. Ou alors on fait le deuil de ces 21 000 euros et on sort de la convention et on fait ce qu'on veut. Oui. C'est une autre façon de faire. C'est une autre option. Mais on peut faire comme ça, effectivement. Ouais. Mais est-ce que les 21 000 euros sont. 21 000 euros, c'est pas rien. C'est pas rien. Non. Mais bon,
C'est quand même de l'argent public, hein, c'est pas... Oui, c'est quand même... C'est pas rien, 21 millions. Sauf que c'est pas rien. Hein, ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'il y a de gagner, tu n'auras pas au final... On a quand même 2 ans. Parce que quand on détaille le texte, il est bien marqué que les 5 années n'ont pas vu de mobilisation par rapport à quelques projets que ce soit. C'est-à-dire que c'est difficile de concevoir un projet, malgré les ébauches d'études qu'on avait eues il y a 5 ans, qui étaient cohérentes. C'était uniquement de l'habitat, c'était même pas du service et du commerce, c'était que de l'habitat, qui était intergénérationnel. C'était ça qui avait été formulé au départ. Ça ne suffit pas à faire venir des promoteurs pour construire. Hein. Et le projet qui avait été présenté, c'était un projet de 9 logements, d'ailleurs. Et quel accompagnement Quel accompagnement? Ça, ce sera ceux qui seront là de négocier l'accompagnement. L'accompagnement de l'EPF en général, c'est de mobiliser un réseau. Ils essaient de mobiliser un réseau qu'une commune, en tout cas pas la nôtre, n'a pas. C'est la première chose. La seconde chose, ils sont en phase avec des bailleurs sociaux. Donc on peut imaginer que les bailleurs sociaux ne continueront pas à ignorer... aujourd'hui, les bailleurs sociaux sont mobilisés sur le littoral pour le Morbihan et dans les villes. On peut imaginer que demain, ils puissent avoir des accommodements. Enfin, les bailleurs sociaux qui sont sur Josselin, je pense surtout à Espacine et puis à BSH, ont mis en vente des logements. Donc il faudra à un moment donné que c'est des logements qui ont été construits sur le terrain, cédés gracieusement par la commune, avec d'ailleurs une caution, la caution de la commune pour les emprunts qui les couvrent. Donc il faudra bien à un moment donné ce que les bailleurs sociaux obtiennent de la vente de la revente de logements, eh bien, à un moment donné, il faudra bien qu'ils apportent une contribution à Josselin. Sinon, je pense à Josselin, je pense aussi à d'autres communes. On ne peut pas se limiter sur le secteur à Pleurmel, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Les bailleurs sociaux, même timidement, mais on ne les retrouve qu'à Pleurmel. Donc tout ça, ce sont des négociations qu'il faut porter. Et juste pour apporter un point ou deux, c'est quand on a travaillé un petit peu ce sujet-là avec Marie-Christine Bonnard à l'époque qui était à l'EPF, la difficulté rencontrée, c'est effectivement on n'arrivait pas à mobiliser d'investisseurs ou de bailleurs sociaux parce que tout simplement il n'y a pas de tension régulière sur ce territoire ici. Et on sait très bien que les bailleurs sociaux type Espacine ou BSH, souvent, il faut aussi avoir du terrain pour qu'ils puissent construire. Donc, donner le terrain, ça aussi un coût. Non seulement le terrain, mais aussi il y a des aménagements à faire. Est-ce que c'est les bailleurs sociaux qui est la réponse? Moi, je ne pense pas que ce soit la seule réponse. Non, c'est sûrement pas la seule réponse. L'initiative privée. Donc, ce n'était pas la contrainte. Et là, on ne sait pas le terrain. C'était pas la contrainte de densité de logement. La contrainte dans les contacts avec les promoteurs, est-ce qu'il y avait de contraintes exprimées par rapport à la densité? Oui, effectivement. Est-ce que les promoteurs ont dit c'est trop dense, on peut pas... Les promoteurs... Non, c'est tout simplement parce qu'il y avait la difficulté, je dirais, topographique du lieu, parce que c'est pas simple de trouver un schéma d'aménagement sur ce secteur-là. La difficulté, on en aura demain aussi. Et puis, les coûts d'aménagement, et aussi parce qu'il n'y a pas de tension, il n'y a pas plus de demandes que ça sur ce territoire ici. Alors maintenant, aujourd'hui, effectivement, il y a un peu plus de demandes aujourd'hui qu'il y a... Ça a changé aussi un petit peu. Donc les choses ont... les temps changent. 2 ans, c'est pas beaucoup, puis 2 ans, c'est beaucoup, ça, parce que c'est des opportunités qui peuvent se présenter. L'attention peut être... On a parlé de l'intergénérationnel, mais c'est pas forcément l'intergénérationnel. Vous avez des entreprises qui se développent sur Josselin, ils ont besoin de main-d'œuvre, et la main-d'œuvre peut-être ne s'installera pas sur la commune, mais peut-être vivra une partie de la semaine sur la commune, par exemple. Ça, c'est une possibilité demain. Donc, ils ont besoin d'un petit studio, d'un terrain bis, enfin, je ne sais pas trop. Voilà le genre de choses. Ensuite, il faut peut-être encore intéresser aussi, évidemment, les entreprises qui aujourd'hui savent qu'ils ont une responsabilité sociale, ça je l'entends, mais je ne l'entendais pas avant, mais je l'entends depuis 2 ans surtout,
Et ils savent qu'il faudra aussi mettre la main à la poche pour avoir des gens qui viennent travailler chez nous. Et ça fait partie aussi des choses dont ils ont conscience. Enfin, nous avons un PLH qui est ouvert. Le PLH peut permettre également aussi d'apporter un plus qu'on n'avait pas, puisque le PLH vient de s'ouvrir. Voilà, il y a souvent des pistes qui s'ouvrent sur le temps, mais moi je ne suis pas devin, je ne peux pas m'engager à dire que ça va se passer comme ça. Et enfin, de toute façon, ça ne se passera pas tout seul. La commune devra également aussi être acteur dans cette recherche si vous prolongez de 2 ans le contrat. De toute façon, si on achète, c'est pas pour acheter, c'est pas pour avoir une friche, donc l'effort sera à faire également. Voilà, ce sera plus l'effort. L'accompagnement de l'EPF peut être un plus. Oui, mais l'accompagnement de l'EPF, ce devait être déjà le cas pendant ces 5 années. Oui. Qu'ont-ils fait pendant 5 ans pour nous accompagner? Pas grand-chose. Si. Enfin bon, on a eu quand même des contacts. Ils nous ont... personnellement, je les ai vus en parler dans le réseau, parce qu'ils ont un réseau sur la Bretagne. Mais ça n'a pas apporté, les fruits. Et je ne sais pas si aujourd'hui ils sont plus prégnants. Ils ont d'autres réseaux, je n'en sais rien. L'EPF aussi, c'est une machine qui évolue avec le temps. Moi, je crois plus à notre capacité à développer des projets plutôt que l'accompagnement de l'EPF. Je pense que ce sera... Moi, j'ai toujours pensé que lorsqu'on avait... Quand on a la maîtrise, on a la maîtrise. Hein. Dans ce cadre-là, on a toute la maîtrise. Oui. Si demain, il se présentait quelqu'un qui veut ouvrir un commerce particulier, puis... Ça, je vous donne cet exemple-là parce que c'est parfois... C'est un vieil exemple. Là où il y a la maison de santé actuellement, un investisseur privé, Rennais, voulait faire le même bâtiment que... plus important, ou deux bâtiments, qui est le même qui se trouve au rond-point de la forêt, et il était prêt à concéder une maison de santé au rez-de-chaussée, avec un parking souterrain d'ailleurs. Ça aurait été beaucoup plus difficile parce que c'est un endroit humide. Mais voilà, c'était dans le projet. On n'a pas trouvé, ils n'ont pas trouvé, à l'époque, ils comptaient sur les médecins pour acheter, comme on achète un appartement sur plan, ils comptaient sur les médecins pour se grouper et acheter une maison médicale avec ou sans la commune. Ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, voilà comment nous sommes arrivés à un projet alternatif. Donc, voilà. Les choses peuvent se présenter de nouveau comme ça, je ne sais pas. Il faut très bien avoir du paramédical qui fait du logement au-dessus, voilà, si la commune ou si on trouve un groupement d'investisseurs. Tout reste possible. Voilà ce que moi je peux dire. Est-ce que j'ai tout précisé? J'ai tout dit parce qu'il ne faut pas que je oublie quoi que ce soit. Les différences sont là, sont essentiellement là. Et... Voilà. Est-ce que ça peut être reporté de 2 ans et être arrêté à n'importe quel moment? On peut négocier. Vous savez, l'EPF, il a... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut négocier là, on peut toujours négocier. L'EPF a 220 000 euros, c'est ça? Le problème, c'est ça? 220 000 euros, si l'EPF, je suppose, c'est comme toute société mixte, elle a besoin d'argent. Si demain, la commune a une opportunité qui rentre dans ce cadre-là, voilà, c'est un arrangement. L'EPF n'est pas un gendarme. Par contre, pourquoi ces règles-là? C'est parce que c'est des règles que... D'abord, 20 logements à l'État, c'est le SCOT. Oui. C'est ça. L'EPF ne peut pas proposer autre chose que 20 logements à l'État, puisque c'est notre SCOT. Et c'est ce qui ira dans le futur PLU. Et puis deuxièmement, ça fait partie des règles de l'EPF. Je crois que l'EPF est chargé de la revitalisation, de la densification. Je veux dire en clair que... Pardon. Si ils font référence au SCOT, pourquoi est-ce que la première proposition était basée sur... Il y a 5 ans.
Oui. Donc le SCO n'existait pas. Le SCO n'existait pas. Le SCO n'existait pas. Vous avez eu entendu au mois de juin, c'est ça, le directeur du pays, hein, il vous a expliqué que nous, c'est 20 logements l'hectare, ailleurs c'est 18 ou 16, je crois qu'il n'y a pas moins de 16 aujourd'hui l'hectare. Donc ce qui va contraindre les communes, en tout cas la nôtre, lorsque l'on fera ici même de futurs lotissements, d'avoir un petit collectif. Hein. On n'aura pas la densification voulue. Ou alors, il faut faire des terrains compétitifs. On est dans les purs. Hein, de la... Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre aux voix. Voilà le projet de délibération. Donc, il y en a deux. Je me dis le numéro 1. Et ensuite, je mettrai aux voix chacune. Approuver le projet d'avenant numéro 1 à la convention opérationnelle du 22 juillet 2013, à passer entre la collectivité et l'EPF Bretagne, annexé à la présente délibération. Donc, autoriser le maire ou son représentant, c'est la formule habituelle à signer. Et la numéro 2, c'est décider de procéder à l'acquisition des biens portés par l'EPF d'un montant total de 17 177,38 €. Soit 220 740,86 TTC dans les conditions prévues par la convention opérationnelle du 22 juillet 2013. Dire que les pénalités prévues à l'article 20 de la convention s'élèvent à 10% des cotisations, soit 21 717,74 €, sont dues en cas de non-respect d'engagement relatif au projet dans les 5 ans suivant la revente. Et puis ensuite, c'est de signer le maire ou son représentant à signer l'acte authentique de revente à intervenir ainsi que le document nécessaire. Voilà. Donc ça, c'était l'avenant. Dernier avenant, celui-là. Parce que c'est pas écrit pareil. Alors, je ne veux pas me tromper tout le monde. Tu ne veux pas te tromper. Eh bien, ça, c'est l'avenant. Ça, c'est l'avenant. Non, c'est pas l'avenant. Le numéro 2. C'est l'inverse. Le numéro 2, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il y a un piège, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de piège. Oui, non, mais c'est l'inverse. La numéro 1, c'est la prolongation. Voilà. D'accord. La numéro 2, c'est l'acquisition immédiate avec la pénalité. C'est le premier évoqué. Naturellement, vous ne pouvez pas voter deux fois. Non. Si, parce que j'ai une voix. Oui, mais vous ne pouvez pas voter pour les deux solutions. Ils sont malins, quand même. Tu peux voter deux fois, mais tu ne peux pas opter pour les deux solutions. Voilà. Donc voilà que c'est clair. Donc, on va être très vigilant. Donc on a une grille. Donc je mets aux voix la numéro. Alors, la numéro 1, c'est. On va mettre dans l'ordre. La numéro 1. Qui s'abstient? Moi je m'abstiens. Moi aussi je m'assieds parce que je dois la suivre. Donc je ne veux pas prendre de. 1, 2, 3. Alors vous avez des pouvoirs ? Ouais, oui, moi j'ai. Un pouvoir ? Eric, non ? Non. Eric, non. Bien. Et donc, on a noté les noms. Ah oui, il faut noter les noms parce que. Oui. Je me méfie de ces. Qu'on sache. Voilà, donc ils ont choisi. Qui est contre la numéro 1 ? 1, 2, 3. Est-ce qu'ils ont des pouvoirs ? J'en ai un. Parce que c'est un pouvoir. Et qui est elle-même ? Tu as un pouvoir ? Non, non, non. Tu n'as pas de pouvoir.
pour le numéro 1. Donc, on est bien clair, hein, c'est bien le numéro 1. Hein. Mmh, oui, on est sûr de nous. Ça ne veut pas isoler. Passer la collectivité annexée, etc. La convention opérationnelle à passer entre la collectivité et l'EPF, autoriser le maire à signer toute pièce avenant. Alors, 16 votants. Non, plus fort, parce qu'il faut qu'on entende bien. Il y a 16 votants, donc 4 abstentions, donc ça nous fait 12. D'accord. Donc la majorité, 6. Ça va être 6 plus 1, 7. 7. Et alors ? Il y en a 7 voix pour et 9 voix contre. 5 voix contre. 5 voix. 4 abstentions. Donc, la délibération. Donc, elle est adoptée. Voilà. C'est ce qu'on appelle un vote nominal. Hein. Bien, voilà pour le sujet. Deuxième sujet. Les abords de l'hôpital. L'engagement de la commune sur les acquisitions foncières immobilières. Alors, je ne vais pas forcément développer, puisque les choses ont déjà été vues en intercommission. Simplement rappeler quelques principes que j'avais déjà évoqués. Il s'agit bien entendu c'est une décision qui s'inscrit dans une stratégie de la reconstruction de l'hôpital de Josselin. Et dans cette stratégie-là, il faut bien considérer que à la fois la reconstruction de l'hôpital de Josselin soit une opération gagnante pour l'hôpital et, si c'est possible également, une opération gagnante pour la commune de Josselin. Alors comment elle peut être gagnante pour l'hôpital de Josselin ? Eh bien, l'hôpital de Josselin, aujourd'hui, occupe une superficie de 3 hectares, à peu près, hein, c'est ça, je crois, sur Josselin. La reconstruction de l'hôpital de Josselin va se recentrer sur un espace beaucoup plus restreint, dans un seul bâtiment. Et donc, la superficie foncière, voire immobilière, qu'elle va laisser, eh bien, sera disponible. Elle peut être disponible donc à la revente, sachant que nous sommes dans un cadre assez particulier. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'il y ait des acquéreurs en grand nombre. Et enfin, le voisinage de l'hôpital fait qu'effectivement, ça limitera probablement le nombre d'acquéreurs. La solution donc qui paraît la meilleure, c'est de trouver, c'est que la commune puisse être partenaire dans cette opération-là. L'argent qu'elle va mettre, si elle décide d'acheter du foncier et voire de l'immobilier, eh bien, sera aussi un plus pour la reconstruction de l'hôpital, sachant d'ailleurs que son budget est extrêmement tendu. Je rappelle ce qu'on avait dit déjà à l'époque, c'est ceci, c'est que si plus l'investissement coûtera à l'hôpital, plus le prix de la journée pour les futurs résidents sera élevé. Donc, par la revente de terrain ou de
bien immobilier, on atténue l'investissement de l'hôpital, donc on contribue à réguler le prix de la journée. C'est important parce que les hôpitaux ou les maisons de retraite sont dans un secteur concurrentiel. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux, vous voyez bien. Et demain, sans doute encore plus encore. Et donc, à partir de là, il serait dommage que l'hôpital de Jospin sera sûrement un projet réussi. Eh bien, néanmoins, les gens iront peut-être à côté parce que ce sera un peu moins cher. Donc, voilà, c'est ce que j'appelle le gagnant-gagnant. La deuxième formule, donc c'est l'acquisition de biens fonciers ou immobiliers. La deuxième formule, c'est ce qu'on appelle la mutualisation. Alors, la mutualisation, elle joue sur des espaces qui sont aménagés ou aménageables. Et en particulier, vous voyez tout de suite que les parkings sont des... Voilà, à mesure où on peut aménager des parkings ensemble et les mutualiser, on atténue également les coûts, et je crois que c'est beaucoup plus intelligent. Alors, le projet, au départ, c'était effectivement que l'hôpital soit un espace fermé, c'était comme ça. Nous avons, par négociation, par discussion, par échange, fait à admettre qu'aujourd'hui, il était mieux d'avoir un espace ouvert, et donc que cet espace ouvert bien permet d'avoir des parkings disponibles. Dans les aménagements également aussi, on peut avoir un parc arboré. Plutôt que d'avoir un parc arboré qui ne sert à rien, ça fait aussi ouvert au public en permanence. Voilà des points qui ont été discutés en intercommission aussi lors de négociations. On va rentrer dans le détail peut-être de tout ça, mais pour rappeler rapidement, le premier plan, le projet, le H1, ce que nous on appelle le H1, c'est la voie traversante qui va partir de la rue Saint-Jacques à la rue des Devins. Pour la réalisation de la future route transversale Est-Ouest et qui va servir de gare routière. Là également, il y a eu des négociations pour que cette voie traversante, qui sera dans un sens unique, à l'avenir peut-être, elle pourrait être à double sens puisqu'il y aura une part de foncier qui permettrait de l'élargir. Enfin, je ne vois pas trop bien dans le fonctionnement comment ça pourra être sécurisé. Et donc, hormis les temps scolaires, c'est-à-dire le soir et le matin, hormis les temps scolaires, eh bien, cette voie sera empruntable par tout un chacun. Voilà. Ça, c'est la première portion. Une partie, alors vous avez le grand rectangle. Le grand rectangle, c'est la partie foncière qui appartient à l'hôpital. Et ce qui n'est pas dans le grand rectangle, à ma droite, eh bien, c'est le parking du 10 juin, qui est le foncier appartenant déjà à la commune de Jospin. Donc la route n'est pas simplement limitée au rectangle, elle se prolonge jusqu'à la rue Saint-Jacques. Voilà. Ensuite, c'est le H4, c'est pour la réalisation d'un parking dédié aux usagers de la ligne TER régionale. La région souhaite qu'il y ait un parking dédié et le bus s'arrêtera sous la flèche. Vous voyez une espèce de petite échancrure juste au-dessus du carré. Voilà la deuxième. Donc là, c'est du foncier qui appartient à l'hôpital, puisqu'on est à la limite du parking du 18 juin. Ensuite, on descend, je crois que c'est le H2. Eh bien, le H2, c'est pour faire un élargissement pour un riverain qui aujourd'hui ne peut rentrer difficilement chez lui. Qu'il descende de fermer ses rétroviseurs lorsqu'ils ne sont pas automatiques. Donc c'est possible de racheter une parcelle à l'hôpital de 1m50, 2m, de manière à ce que le riverain puisse accéder. Et ça peut être intéressant parce que ce riverain est aujourd'hui propriétaire d'un grand jardin. Il n'est pas dit que demain il n'y ait pas une possibilité d'aménager ce fonds de jardin. Ça fait partie aussi des principes d'urbanisme qui sont dans les nouveaux PLU. Enfin, déjà dans le nôtre, il y a des faits comme ça. Là, c'est 21 mètres carrés. 22 mètres carrés. Ensuite, il y a, je prends dans l'ordre en montant, le H2 bis, le H3 bis et le H3 ter,
C'est 1047 mètres carrés 19 qui permet la création d'une liaison douce entre la rue des Sorciers et la rue des Lauriers. Alors, c'est là que ça m'amène. Ce qui est important pour Jocelyn, c'est probablement, enfin, ça ne nous appartient pas aujourd'hui, mais c'est la continuité de l'aménagement et la modernisation de Jocelyn. Après la partie sud-est-ouest, la partie nord. Et donc, nous avons des liaisons douces que nous avons essayé de mettre en place, ou bien une circulation douce avec des limitations de vitesse. Eh bien, c'est des prolongés pour relier le quartier nord, qui est le quartier plus moderne, vers le centre, en intramuros. Et donc, c'est d'utiliser des espaces libérés par l'hôpital pour aménager des circulations douces, alors à la fois nord-sud ou est-ouest, c'est-à-dire en direction de la rue Saint-Jean-Hubert-Saint-Martin, ou alors depuis le lycée, les arrêts bus vers le centre de Jocelyn via l'impasse des Lauriers aujourd'hui qui serait débouché, et ce ne serait que le retour de l'histoire, puisque l'impasse des Lauriers débouchait, il y avait un chemin qui se continuait dans les champs de l'hôpital, ou les jardins de l'hôpital, qui était le potager de l'hôpital. Il nous reste encore quelque chose que oui, le H6. Le H6 est le long de la rue Saint-Jacques. Le H6, la partie effectivement aussi de cheminement qui nous ramène à la rue à l'impasse des Lauriers. Le H6 a une particularité parce que c'est un bâtiment, c'est un foncier bâti. Et donc sur ce foncier bâti, il y a je crois que c'était le bâtiment du directeur, je crois. Et donc, l'hôpital veut se dessaisir de ce bâtiment, est prêt à se dessaisir. Il n'aura aucun objet, dans un avenir immédiat d'ailleurs. Et ce bâtiment, il a deux vocations possibles. Ce sont ceux qui seront là qui pourront déterminer. Ou il le conserve, lui donne une vocation propre en tant que foncier bâti, en tant que bâtiment, et ou bien il le démolisse et ça permet d'aménager plus facilement probablement la rue Saint-Jacques, d'aérer la rue Saint-Jacques. Et ça, c'est ça la liberté de ceux qui auront à présider les destinées du conseil municipal de Jocelyn dans quelques années. D'ailleurs, entre parenthèses, l'hôpital veut bien se dessaisir assez rapidement, une fois que l'hôpital sera reconstruit, de l'ensemble immobilier qui s'appelle Rocher Bleu, et de l'ensemble immobilier qui sont les bureaux et la chapelle. Donc à terme, ils font des propositions. J'espère que la commune sera consultée en premier, si elle a des projets au moins dans ce domaine. Voilà, mais aujourd'hui... Moi, j'ai préféré qu'on se concentre plus sur l'essentiel immédiat. Puis après, il y a le deuxième rideau, un peu plus loin. Voilà à peu près. L'hôpital, finalement, n'aura besoin que de la partie construite, du parking, alors devant. Vous verrez d'ailleurs la présentation publique, on le verra de manière plus claire, parce que ce sera une présentation en 3D, je crois. Le parking qui est sur la gauche, le long de la... Voilà, ça c'est un parking privé, c'est-à-dire c'est le parking du personnel qui doit être fermé, avec un bassin de rétention. Voilà, nécessaire, puisque nous sommes sous une pente. Moi, je ne souhaite pas que la MBS soit inondée, donc il vaut mieux qu'on capte les eaux en amont. Et pour le reste, l'hôpital... Voilà, c'est la pure nécessité et l'obligation d'avoir un parking visite. Voilà, ça se limite à ça. Donc voilà, pour les abords de l'hôpital, est-ce qu'il y a des questions? Mais tout ça, ça a déjà été débattu. Alors, dans le calendrier, c'est à peu près ceci. C'est difficile de définir un calendrier... sur le moyen terme, mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, l'hôpital souhaite avoir l'engagement de la commune sur les choses immédiates que j'ai décrites tout à l'heure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous faisons des propositions à l'hôpital. Bon,
on a quand même discuté, c'est pas le fruit du hasard. Ils consultent par obligation France Domaine, parce qu'ils ne peuvent pas vendre sinon. Et donc, les propositions que nous faisons peuvent ne pas être acceptées par l'hôpital. Compte tenu des discussions que nous avons eues, on a quand même vraisemblablement, je ne sais pas quel élément pourrait venir entraver nos propositions. Ils ont des chances de recueillir l'assentiment de la direction de l'hôpital et donc de son, je sais pas comment on appelle ça, de son conseil de surveillance, mais ce n'est pas le conseil de surveillance qui est décisionnaire, c'est l'État, je pense, c'est l'État qui est décisionnaire. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? En gros, je me sens engagé dans ce truc-là, c'est sûr. Pardon ? Autant la question d'avant, je ne m'étais pas engagé, mais là, pour moi, c'est un engagement fort, parce que l'hôpital, c'est quand même important pour Jocelyn. Peut-être pour vous après. Ou pas. Non, mais payer la chambre trop chère. Je ne veux pas payer la chambre trop chère. Enfin, bon, ça va. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, dont la proposition de délibération, c'est... Alors, l'estimation a été faite, c'est d'acquérir les espaces fonciers suivants pour un montant de 259 026,80 €. C'est ce que je viens de dire, je ne le redis pas. Alors, ce n'est pas on n'a pas de main à engager notre budget là-dessus, parce que l'hôpital, la construction devrait commencer dans quelques mois. Ça va durer 3 ans. Et donc, ils ne vont pas libérer les bâtiments, ni libérer les parcelles tout de suite. Ce sera au fur et à mesure qu'on va acquérir les parcelles, au fur et à mesure du temps. Ce sera sur le budget 2021, 2022 pour notre part, 2023 peut-être pour les derniers. Je pensais que ce sera à peu près étalé sur 3 budgets. Je ne crois pas qu'il y ait de nécessité sur le budget 2020, me semble-t-il pas, dans tout ce que je viens d'évoquer là tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque nous acquérons une parcelle avec un bâtiment, la démolition est de notre ressort. Même quand on est sur un terrain où il y a une mutualisation que tu alors, as évoqué tout à l'heure sur le terrain, alors on va revenir en arrière parce qu'il faut être clair sur ce point là moi je pense uniquement à la parcelle H6, c'est ça, voilà. Là il n'y a pas de mutualisation parce que ce bâtiment et l'espace, l'hôpital, il n'y aura pas de mutualisation, ce sera à l'usage propre de la commune, c'est là où est le logement, soit la commune conserve puis fait des appartements, c'est ce qui est possible aussi. Soit la commune dit, je veux élargir la rue, je veux aérer cette entrée de ville, et donc détruire. Et ça veut dire que c'est du ressort de la commune. Par contre, tous les autres bâtiments, je ne me trompe pas, tous les autres bâtiments qui sont aujourd'hui sur l'espace, autrement dit, je ne parle pas des bureaux, mais tous les autres bâtiments, voilà, qui sont sur cet espace de construction, voilà, seront détruits, démolis par l'hôpital, mais in fine. In fine, c'est-à-dire une fois qu'on aura rapatrié tous les usagers, les patients, tous les résidents dans le bâtiment, ça veut dire fin 2023. Je ne sais pas quelle vitesse ça va avancer, mais ça va être 2023, vraisemblablement. Donc ils seront démolis fin 2023 ou début 2024. Ça veut dire aussi que les aménagements sur lesquels on s'engage avec l'hôpital en commun, hormis le parking, parce qu'il faudra bien un parking visiteur, ça ce sera dans les priorités. Voilà. C'est pas facile, je conçois, de se projeter, c'est pas comme tout à l'heure sur 2 ans. C'est pas le même enjeu, c'est pas les mêmes sommes non plus. Comme tu dis, c'est pas le même enjeu, c'est un enjeu haute dimension. Et c'est un enjeu d'aménagement pour Jocelyn,
C'est un enjeu. Un hôpital, c'est quand même 190 emplois ou 200 emplois. Et qu'on se doit d'accompagner. Pardon ? Et qu'on se doit d'accompagner le mieux possible. D'accompagner au mieux, quoi. Donc là, c'est. Donc voilà, le moyen, alors, vous savez que c'est un peu plus de 26 millions. Voilà. Si on achète du terrain, on a d'abord un bien en contrepartie. Et deuxièmement, c'est 1%. Mais enfin, c'est pas négligeable. 1%, c'est pas négligeable. Voilà. Ce qui n'empêche que ces terrains-là ont été valorisés à hauteur de 50 euros le mètre carré. C'est quand même bien payé. Tout à fait. Oui, c'est bien payé. Enfin, moi, c'est la fourchette haute du mètre carré de terrain. Ah, c'est la fourchette haute du mètre carré. Je sais. C'est pour ça que il est souhaitable. Il est souhaitable de ouvertement, c'est public. Nous sommes même filmés. Mais il est souhaitable de rester prudent et de dire voilà, nous achetons un ensemble. Et cet ensemble a du prix pour nous parce que ça peut, comme ça correspond à un visage de Jocelyn demain. Si on parle comme ça, tous les voisins qui ont du terrain à vendre à côté vont s'aligner. Mais les terrains n'auront pas forcément le même intérêt pour la commune de Jocelyn. Voilà. Je vous invite, enfin, je vous invite à être prudent sur cette présentation. Voilà. Alors après, le bâtiment qui est là à côté n'a pas été évalué peut-être une fois ou l'autre, hein, parce que c'est un bon bâtiment, le bâtiment qui possiblement sera démoli demain, il vaut peut-être beaucoup plus que ça. C'est une fourchette l'un dans l'autre. Voilà. Mais on a le droit de le penser. Mais c'est aussi la volonté d'accompagner l'hôpital. Quoi. C'est, ben, si je reviens tout à l'heure, on parlait l'accompagnement des bailleurs sociaux. Je prends BSH, qu'est-ce qu'on fait ? On fournit le terrain gracieusement, on fournit les réseaux, la voirie, et on cautionne. C'est un coup, ça. C'est le même raisonnement. Hein. C'est le même raisonnement. Donc, tiens. Donc c'est pas un raisonnement anormal. C'est pas un raisonnement anormal. C'est un raisonnement de développeur, de développement de son territoire, de développement à tout point de vue de son territoire, de sa commune, sa communauté de communes. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait du foncier industriel économique? Est-ce que c'est revendu au prix coûtant? Non plus. C'est aussi. Aujourd'hui, ça fait partie, demain peut-être pas, mais aujourd'hui, ça fait partie d'un mode de développement économique de son territoire. Donc voilà, on a déjà cette chance de faire cet hôpital-là. Il y a d'autres qui voudraient bien refaire leur hôpital, ou il y en a même d'autres qui voudraient faire plus grand comme Guémené, mais qui n'arrivent pas. Donc c'est une chance quand même qui est importante pour nous. Voilà. Non, mais je ne remets pas le projet en cours. Je suis d'accord pour les acquisitions, mais je fais juste remarquer que c'est un prix qui n'a pas été négocié. En quelque sorte, il a été fixé par les domaines. Pas aujourd'hui, parce que les domaines n'ont pas donné leur aval. Les domaines n'ont pas donné leur aval. Ils ont été consultés quelques semaines. En septembre. Mais les domaines, d'ailleurs, nous, on vit des choses quand nous avons à revendre, on vit des choses de même manière. France Domaine aujourd'hui n'est pas des plus rapides. Et de toute façon, vous savez comment fonctionne France Domaine. France Domaine cherche des biens de référence dans la localité. Aller chercher des biens de référence dans la localité, un bâtiment construit, un bout de terrain ici, ils n'en trouveront pas. Donc, voilà. Bon, c'est si les domaines mettaient moins cher, eux mettraient moins cher. Si les domaines. Les domaines ne mettront pas plus cher. Non. Moins cher, je ne crois pas. Mais les domaines ne mettront pas plus cher. Peut-être que ça correspond un peu à cette fourchette haute là, qui évite toute discussion, quoi, finalement. Mais ça servira aussi peut-être de référence dans le domaine pour le secteur nord-sud, je sais pas. Je sais pas. Encore que là, ce soit des conditions tout à fait particulières.
Voilà. Pas d'autres questions ? Bien, qui s'abstient ? Qui s'y oppose ? À l'unanimité, merci. Voilà. Alors, ensuite, deuxième aspect des choses que... Donc, l'acquisition foncière ou immobilière, le deuxième aspect des choses, c'est ce qu'on appelle les espaces mutualisables. Dans le cadre de la reconfiguration du secteur entre la rue des Sorciers et la rue Saint-Jean. Alors, ça concerne des parcelles qui sont sur l'hôpital, globalement, qui sont le long du parking du 18 juin et un peu plus, remonte un peu plus vers le sud. C'est le H5, c'est le bas de parcelle, c'est le H5 bis, et puis c'est le H5 terre. Sur lequel aujourd'hui il y a au moins partiellement des bâtiments. Et donc ces bâtiments-là sont arasés une fois les travaux du nouvel hôpital terminés. Et sur ces parcelles-là, il y aura des parkings visiteurs, je ne sais plus le nom, une soixantaine je crois. C'est notre PLU qui nous en fait notre devoir, c'est d'ailleurs nous qui les avons fixés. Je ne sais plus si le nom de parking obligatoire y sont. Nous avions d'ailleurs voté une dérogation, parce que sinon il en fallait plus, si je me souviens bien. Sinon, ce sont des espaces de verdure aménagés, avec des plantations et un engazonnement. Il y a des prix qui... Voilà, notre jouissance des lieux a un prix également. Ce qui est possible, c'est que la commune, sur un terrain propre, en terre végétale, prenne en charge l'engazonnement et la plantation des arbres sur cet ensemble de parcs. Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelle superficie ça fait, mais ça fait une certaine superficie. Et l'entretien, en contrepartie, il y a une libre jouissance par la commune et par les gens qui viendront là, les visiteurs, qui s'arrêteront sur le parking et qui viendront à pied et qui retourneront en pique-niquer auprès de leur voiture. Maximum, la plantation, ça a été évalué. Alors après, la densité des arbres a été évaluée également aussi. Des espèces n'ont pas été définies, mais ce sont des espèces aujourd'hui, nous sommes dans la biodiversité, ce sont des espèces locales. Et l'engazonnement aurait un coût global de 50 000 euros maximum. C'est une enveloppe maximum. L'entretien ensuite, c'est l'entretien, c'est la tondeuse, c'est le nettoyage, s'il y a des fleurs, c'est la tondeuse. Voilà pour la prise en charge qui est proposée à la commune, en contrepartie d'une jouissance totale des lieux. Par convention, définie par convention, il y aura une convention à passer. Le deuxième point, c'est le parking. C'est ça. C'est le parking mutualisé. Alors, parking d'hôpital destiné à accueillir les visiteurs, propriété de l'hôpital. C'est obligatoire qu'il y ait propriété de l'hôpital parce que sinon, ils n'auraient pas leur permis de construire. Il faut qu'ils aient un parking qui soit de leur propriété. Le parking H4 dédié aux usagers des transports publics, j'en ai parlé tout à l'heure, future propriété de la commune. Et puis, il y a une voie traversante, c'est-à-dire c'est le parking du 18 juin. Autrement dit, le parking du 18 juin, globalement, du côté du lycée, ce sera la voie traversante vers la rue des Sorciers. Et de ce côté-ci, côté des bâtiments, enfin aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la Rébus qui est là. Et puis les bâtiments des gens du voyage. Non, c'est pas les gens du voyage, c'est les gens, je ne sais pas comment on dit. Ça se dit plus. Il faut avoir un vocabulaire plus approprié. Mais enfin, c'était ça effectivement au départ, puisque je me souviens que c'était pour ça que ça avait été fait. Eh bien, ce sera la voie d'accès au parking, donc la voie traversante, et il restera entre les deux une partie du parking actuel du 18 juin, qui appartiendra à la commune, qui en fera ce qu'elle voudra bien en faire. Un parking supplémentaire si elle le souhaite, une fois que les choses seront terminées en 2024-2025.
ou bien il faudra un espace d'agrément qui sera en lien avec les jardins et les pelouses qui sont à côté. Ça ce n'est pas évalué, ni évaluable, mais si ça reste un parking, il y est déjà. Si on veut faire un espace verdoyant, de verdissement et d'embellissement, il faudra enlever le goudron qui est là, puis de la terre. Mais là, la question ne se pose pas aujourd'hui. Donc, en contrepartie d'une convention, d'une libre utilisation des parkings de l'hôpital, et vice-versa aussi, l'hôpital, les visiteurs de l'hôpital pourront utiliser la partie privée de la partie nord, c'est nord, oui, il n'y aura pas... Il y a une partie dont la propriété foncière, c'est l'hôpital, et la partie en grisé, c'est comme ça qu'on peut le voir, qui est dans ce parking-là, ce sera la propriété foncière, puisqu'on l'a acheté tout à l'heure, de la commune de Josselin. Et lorsque les choses seront terminées, il n'y aura pas de différence entre la partie foncière de l'hôpital aménagé et la partie foncière de la commune aménagée. Ce sera un parking dans son ensemble et le visiteur pourra stationner en haut comme en bas. La prise de participation ça a été évalué par le cabinet, la construction, la prise de participation de la commune de Josselin s'élèverait dans l'aménagement global, puisque pour notre quote-part, entre parenthèses, nous pourrons utiliser la voie piétonne qui traverse l'hôpital, payée par l'hôpital, sans contrepartie. C'est un deal qui est passé comme ça, pour une manière à ne pas trop saucissonner les projets. Eh bien, c'est de 190 985 euros, c'est TTC, parce qu'il n'y a pas, c'est pas marqué. Alors, le maître d'œuvre, pour répondre à cette obligation urbaine, cette obligation légale du PLU, sera la commune, l'hôpital et la commune, sous facture évidemment. Ça sera en principe en 2023, ça. Ça ? Ouais. À peu près. Bah, si, c'est vers la fin. Ouais. Parce qu'il faudra détruire des bâtiments, hein. je ne me trompe pas, il y a des bâtiments. Donc le parking ne sera terminé que oui, peut-être 2023. Hein. En gros, oui. Voilà. Donc voilà. Voilà la proposition financière. Ce sont des enveloppes maximales parce que c'est sous facture. Donc ce sera ceux qui seront aux manettes à ce moment-là d'apprécier. Évidemment, il n'y a pas d'appel d'offres. C'est une estimation du cabinet d'ingénierie de l'hôpital. Je cherche son nom, ça s'appelle comment déjà ? Compère. Voilà. Donc, premier volet, vous l'avez vu tout à l'heure, l'acquisition. Et la participation, notre apport, je pense que c'est un travail intelligent que de vouloir mutualiser les choses dans les aménagements. Éviter d'ailleurs qu'en entrée de ville, il y ait un parking de la ville de Josselin, un parking de l'hôpital, c'est-à-dire qu'on bétonne tout, on bitume. Voilà. Et alors, s'il y a des bâtiments sur cette emprise foncière, évidemment, vous comprenez bien que c'est l'hôpital qui le prend en charge totalement. Ça n'a pas compté. Voilà, je ne sais pas, parce que c'est pas si facile que ça à évoquer, à expliquer. Je ne sais pas si j'étais clair. On l'a déjà vu quand même. Oui, on l'a déjà vu. Non, on l'a vu, mais moi, tout le monde l'a pas vu. Donc j'essaie de bien le situer. S'il y a des questions, je réponds aux questions. Parce que c'est aujourd'hui le grand jour, c'est aujourd'hui qu'on décide. Avant, on voyait, mais c'est pas le jour de la décision. Pour ceux qui étaient aux intercommissions, est-ce que j'ai dit la même chose ? Oui. Ah, alors ça c'est un exploit. Pas de la même façon, mais la même chose. Oui, voilà, j'ai dit, vous l'avez dit d'une autre façon, effectivement. Donc voilà, pas de questions ? Non. Nicolas, tu veux dire quelque chose ?
je m'en fous. Bon, ben écoutez, qui s'abstient, qui s'y oppose, c'est à l'unanimité. Alors, vous comprenez bien que il peut se passer des choses. Par contre, tu parles peut-être de la... Quand est-ce que c'est la réunion publique ? Oui, mais je voulais terminer je voulais terminer là-dessus. Moi, je ne peux pas vous donner un calendrier parce que voilà, je serai candidat au conseil municipal, futur conseil municipal. Ah bon ? Je serai. Je voudrais quand même, face à des chiffres qui engagent l'avenir, essayer de comprendre comment ça va fonctionner. Je ne peux pas dire les années budgétaires exactement, donc il faut étaler ça sur 4 ans. Voilà. On peut imaginer un budget pour prendre en considération une fraction de ça en 2020, par exemple, c'est pas non plus impossible. Mais en sachant que de toute façon la dépense ne se fera pas en 2020, puisque les terrains, il faut qu'ils soient libérés par l'hôpital, qu'il n'y ait plus d'usage, il faut que les chantiers, les travaux se fassent. Donc je pense que les factures vont s'étaler jusqu'au budget 2024. Voilà. Donc cet engagement, alors je n'ai pas fait le total, mais ça doit faire tout à l'heure 280 000. Ça fait 600. Quoi, 600, tout compris, ça fait 600 000. 600 000 divisé par 4, ça fait 150 000. Voilà, à 15 euros près. Hein. Oui, ça peut faire à peu près 150 000 étalé sur le temps. Voilà, bon. Mais en contrepartie aussi, parce qu'on peut dire que c'est une dépense, mais en contrepartie, en 2025 ou 2026, puisqu'il faut laisser un peu de temps à l'herbe pour pousser aux arbres de prendre leurs racines, on a changé le paysage dans cette chose. Pour faire des comparaisons avec d'autres travaux, 600 000, qu'est-ce que je peux prendre comme comparaison de travaux récents, ne serait-ce que c'est la moitié de la rue des 30 et... C'est la moitié de la rue centrale. Le Bois d'Amour, ce qu'on vient de faire, c'est de 150 000 à peu près. Donc, vous voyez, 250 000, vous voyez, l'impact n'est pas du tout le même. C'est étalé dans le temps. Voilà. Si, effectivement, aujourd'hui, on ne s'engageait pas dans cette direction-là, libre à l'hôpital de mettre ça en vente avec acquéreur potentiel, hein, je n'en sais rien, je pense que ce serait difficile. Mais on a de toute façon l'obligation de refaire notre gare routière. Pourtant, le vote à l'unanimité, ça finit pour eux, c'est... Ah ben, si le vote à l'unanimité... Je ne sais pas si c'est à l'unanimité, si. C'est tout le monde a voté à l'unanimité. Je pense qu'il y a... C'est ce que tu as dit aujourd'hui. Ben, moi, j'ai pu comprendre, mais je regarde parce que ça a pu m'échapper. Donc, c'est à l'unanimité. Alors, ce geste-là aussi est un signe fort pour encourager... quelque chose à voter à l'unanimité, c'est mieux qu'à 50% ou 52,5%. Alors, il faut mettre, mais ça ne regarde plus l'hôpital directement, parce que de toute façon, il en faudra le faire. Il y a l'enveloppe prévisionnelle de déconstruction, nous, on n'est pas obligé de la mettre, c'est celle du bâtiment, hein, qui est au bâtiment dit du directeur, c'est ça. Hein. Hop, et puis, surtout, la salle de sport. La salle de sport, elle est là, la salle de sport. Si on veut faire une voie traversante, notre salle de sport, notre vieille salle de sport, elle est sur... Le tracé. Elle est sur le tracé. Oui, De toute façon, elle ne sert plus à rien. Elle est utilisée. Ah bon ? Très peu, mais elle est utilisée. Alors, dans des conditions, je n'ose pas dire trop... Si la sécurité ça va, mais il y a peut-être d'autres choses qu'il faudrait aller de plus près et on risque de la fermer de toute façon à terme. Et est-ce qu'ils utilisent ça C'est l'éponge et c'est avant. Ping-pong. Les archers aussi. Les archers, le ping-pong. En hiver. Voilà. Et puis un temps fut le collège. Je sais plus, le collège Mac Jacob l'utilisait encore, je crois. Ouais. Bon, on est à l'abri. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de point d'eau. Non. Donc avec les bâtiments,
équilibre avec le directeur. C'est des 120 000. Voilà. Nous, on a fait à la fourchette comme ça. Hein. La déconstruction de cet ensemble-là peut aller jusqu'à 100 000 euros. Alors, il faut choisir un moment opportun si c'est utilisé. De toute façon, la déconstruction de la salle de sport, ça peut attendre l'été 2020, voire même l'été 2021. C'est à voir. Je ne vois pas amorcer cette voie-là avant fin 2021. Enfin, maintenant, quand on aura un peu plus de planning d'hôpital, très honnêtement, ce qui suppose de toute façon que... Si elles n'ont pas lieu, tant mieux. Et je suis pour prévoir les dépenses pour que les choses soient claires pour les uns et pour les autres. Donc voilà. Donc la déconstruction, on n'a pas fait de devis. Hein. C'est nous à l'interne qui avons estimé en fonction, parce qu'on a quand même pas mal déconstruit depuis quelques années. Là. Donc on voit à peu près les choses. Voilà. Ok. Comme ça, c'est clair, mais là, il n'y a pas de vote. C'est l'avenir qui dit cela. Et le bâtiment pour les sans-domicile, vous en proposez un autre après ou pas ? Non, parce que ça ne sert plus. Ça ne sert plus, puis c'était aux normes. Déjà, les dernières années, j'avais un peu... Humainement, ça servit à dépanner des soulards, mais c'est tout. Non, aujourd'hui, il y a tout un réseau... Alors, il faut voir qu'il y a une évolution, parce que c'était le docteur Moison en 1978, qui, pour dégager l'hôpital de cette espèce d'obligation morale qu'elle avait d'accueillir les sans-abri qui pointaient le soir en hiver à des heures, 19h, 20h, s'est dit qu'il faut quand même qu'on mette quelque chose en place, et donc c'était complètement désuet. Ça avait été refait à la Turque, le théâtre. Et moi, j'ai fait organiser des travaux, avant les années 2000. Je me tourne vers ma voisine qui était stagiaire au CCAS à l'époque, donc je crois qu'elle doit s'en souvenir. Voilà, c'était avant 2000, et ensuite, on les a rénovés encore une fois de plus. Ouais. Je ne sais plus, 2007-2008, par depuis quand, ans. Depuis quand était en stage, et donc, voilà, 2009. voilà, mais ce sont des rénovations minimalistes qui ont été faites, donc c'est sans regret. On ne peut pas humainement aujourd'hui héberger des gens dans des conditions telles. Voilà ce que je peux dire. Tout est fait ? Tout est dit ? Je n'ai pas autre chose à ajouter sur les abords d'hôpital. Alors, le calendrier. Le calendrier, il va avoir une présentation publique de laquelle je vous invite à participer. Le 4. J'ai pas mon agenda. Le 4, c'est le 14. Non, c'est le 14. Non, le 4. C'est le 14. Non. Oui, c'est la première pierre du 14. Non, là. On ne peut pas tout mélanger, non. Ah, je peux me tromper. Non. On me rappelle, est-ce qu'on vote sur les déconstructions. Mais non, si vous voulez voter, moi je veux bien, mais il n'y a pas de délibération. Ça, ça n'a rien à voir avec l'hôpital. C'est la circonstance de la reconstruction de l'hôpital, la réorganisation. Mais on n'a rien à voir. Ce sera maintenant le projet. Alors si vous souhaitez, on peut voter. Mais ça. Vous souhaitez que je fasse voter. Le public à 18h30. Oui. Vous souhaitez que je fasse voter ? Non. Ouais, mais parce que si on vote et que c'est marqué 100 000 et que ça coûte plus... On recommence, quoi. Le fait de voter s'affiche. Ah ouais. Voilà. Oui, voilà. Alors, c'est un vote de principe. Qui s'oppose à ce vote de principe ? Mais on enlève la somme. Hein. D'accord ? Vous avez pour vous, pour mémoire, pour une somme de 100 000 euros, j'espère que ce sera moins. Je ne peux pas dire aujourd'hui si les normes vont encore changer après demain. Qui s'abstient ?
ce vote de principe qui s'y oppose. Bon, c'est à l'unanimité que le principe de déconstruire ces deux ensembles immobiliers est adopté par le conseil municipal. Il siège aujourd'hui, mais sans arrêter le coup. Donc je reviens maintenant au calendrier. Il va y avoir donc une séance publique de présentation de la reconstruction de l'hôpital et des abords de l'hôpital, parce que c'est important aussi aujourd'hui qu'on prenne des engagements. Pourquoi ? Je pense que les riverains, les usagers, poseront ce soir-là plus de questions sur les aménagements des abords, sur les manières de circuler pendant la construction, que sur l'hôpital en tant que tel, sur lequel il n'y a rien à redire de toute façon. Et puis, il y a déjà des choses qui ont été exposées. Donc aujourd'hui, votre décision, nos délibérations permettent demain de parler, d'être autorisé à parler. Pour dire, voilà, ça, normalement, ça va se passer comme ça. Mais parce qu'ils vont sans doute parler de la rue Saint-Jacques. Avec les parents de la rue Saint-Jacques. Ils parlent déjà de la rue Saint-Jacques. Mais voilà, on pourra dire qu'il faut commencer par ça, avant la rue Saint-Jacques, et la rue Saint-Jacques pourra suivre éventuellement. Et ça, c'est pas à nous de le dire, c'est ceux qui seront là demain. Par contre, ils poseront des questions sur que verront-ils peut-être certains de leurs fenêtres demain, comment ça va circuler dans ce quartier-là. Et puis, une question qui intéresse beaucoup plus largement en dehors de Josselin, c'est la gare routière, c'est-à-dire les usagers du TER, c'est-à-dire le car, le bus qui va de Pontivy à Rennes et vice-versa, et puis surtout les transports scolaires. Entre parenthèses, ces transports scolaires, pendant peut-être 2 années, devront être implantés ailleurs que là. Parce qu'à un moment donné, quand il y aura des travaux de voirie traversante, quand il y aura des aménagements de parking, je ne vois pas comment... Enfin, c'est trop tôt de le dire, mais il faut imaginer, anticiper aussi cet aspect des choses. Donc, c'est le mercredi 4 à 18h30. 18h30. Alors, nous le ferons à... Nous ferons ça à... À l'écusson. La présentation se fera par le cabinet Compère. Sera présent, bien sûr, toutes les autorités de l'hôpital. Et puis la commune, et je ne sais pas si la région, via les transports scolaires, seront représentés, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ils sont invités à être là. Voilà pour ça. Et nous aurons, c'est pratiquement arrêté, c'est même arrêté, on peut dire, j'espère qu'il n'y aura pas de contre-temps d'ici là, nous aurons la pose de la première pierre, je ne sais pas si ce sera une pierre. Nous aurons la pose de la première pierre le samedi matin 14 à 11h. Alors, ce sera sur site. La pose de la première pierre, cette fois-là, sera sur site. Ou sur site, je ne sais pas. Peut-être là où, parce que l'ancienne maternité, la déconstruction devrait commencer. Je ne sais pas, devrait commencer, mais enfin, ce sera dans quelque part dans ces parages-là, je pense. Voilà. Voilà. Puis à ce moment-là, sera annoncé officiellement le démarrage des travaux. Je ne suis pas autorisé à le dire, mais ce sera normalement fin du premier semestre 2020. Vous avez une occupation, il y a des invitations lancées, ou c'est toujours les journaux? Ah non, les journaux, mais il y aura des invitations lancées naturellement, mais ce sera via la presse. Il n'y aura pas d'invitation. Il faut qu'on voit ça à l'hôpital, on a tout à organiser. L'hôpital, je crois, a appelé pour savoir comment on organisait. Là, on va répondre. Je ne sais pas comment vous organisez. On va organiser ça conjointement. Voilà. On peut passer au sujet suivant. Ah, on va changer de braquet. Le championnat de France cyclisme sur route 2020. Donc on en a également déjà parlé. C'est ça. C'est
Alors, l'organisateur du championnat de France 2020, cycliste, amateur et professionnel, c'est Plumelec, ce n'est pas la commune de Plumelec, c'est une association, comment s'appelle-t-elle ? Le Grand Prix de Plumelec, je crois, si je ne me trompe pas, une association oui, Grand Prix de Plumelec. Alors, ce sera du 18 au 21 juin. Parce que c'est il y a trois jours, enfin, c'est plus large que ça parce que il y a aussi du cyclotourisme, enfin bon, les courses essentiellement c'est le 18, 19 et le 20. Et donc le Grand Prix de Plumelec, l'association présidée par le président de la Fédération internationale de football, il appartient, mais il pourrait être les deux peut-être. Voilà, donc organise ce championnat. Le budget total de cette manifestation, tenez-vous bien, c'est 1 million 5 000 portables. Oui. Donc je préfère que celui qui soit président que moi. Parce que, bon, évidemment, on voit bien que il y a des habitudes. Hein. Et donc, moi j'ai tous les détails du budget. En principe, si tout va bien et si le temps, la météo est favorable, c'est un budget qui s'équilibre. Et puis, il y a des prestataires, évidemment. Hein. La télévision apporte 250 000 euros quand même. Trois images, 250 000 euros. La Fédération française les partenariats, les collectivités, la commune de Plumelec, 30 000 euros, c'est normal. La commune de Josselin est sollicitée à hauteur de 15 000 euros avec une promesse, la communauté de communes permet de communauté d'atténuer notre quote-part. Le centre Morbihan communauté apporte 50 000 euros, le département 250 000 euros et la région 150 000 euros. Et les autres partenaires, 1 million 100 000, les partenaires privés. Voilà, c'est toute la publicité, les voitures, les choses comme ça. 1 million 100 000 euros. La restauration, c'est 11 000 euros. La vente de repas, 8 900 euros. La vente de boissons, s'il fait chaud, 22 500 euros. Et les places VIP, c'est 20 000 euros. Les camping-cars payent 6 500 euros. Et puis il y a un peu d'entrée, c'est 26 400 euros. Les entrées sont payables que sur la partie arrivée. Le reste est libre. Voilà. Et donc on a un équilibre parfait des choses. Voilà pour la sollicitation. Les départs depuis Josselin, c'est toutes les courses contre la montre, féminines, masculines, amateurs et professionnelles. Ok ? D'accord. Du château parce que les télévisions étrangères, puisqu'on avait organisé un championnat de France avec Plumelec, d'Europe, mais avec Plumelec en 2003, si je me souviens bien, et cette image du château de Josselin a été véhiculée par les télévisions sportives, mais généralement ça circule un peu plus large en Europe. Et le président de la fédération me dit, il lui arrive encore assez souvent, et d'autant plus c'était conforté par le championnat d'Europe qu'on avait organisé au pied levé parce qu'il y avait les attentats de Nice, quand il va en Slovénie ou ailleurs, on dit mais il faudra nous ramener, et c'était joli ce château, c'était où déjà? Ah, c'était où? Il y a encore du boulot à faire. Mais quand même, image à accrocher. Voilà, l'image à accrocher. Donc l'image à accrocher, c'est encore le nom. Là, c'est pour le Fred Bedier, marqué sur le château de Josselin. Josselin. Voilà. C'est incrusté sur les chaînes. Quand le marteau est en burin. C'est ça, oui. Mais la bombe, c'est mieux. J'en connais une qui serait contente. Avez-vous des questions à poser sur ces championnats? Moi, je peux vous dire, les retombées économiques, c'est 1005, c'est qui est attendu. Hein. Et donc, il y a des retombées économiques qui sont beaucoup plus larges que Plumelec, naturellement, parce qu'il y a, je ne sais pas combien d'équipes, combien de des suiveurs, des journalistes, il y a 1500 nuitées par jour, hors public. Voilà. Oui. Et puis, il y a à peu près, alors sur les télévisions, je vois, en gros, hein, on compte le dimanche
1 200 000, mais c'est les points phares. Et les autres jours, ça varie entre 300 et 900 000. Voilà. Il y a 5 heures de direct sur Eurosport. Il y a 2 heures de direct en simultané sur France Télévisions Sport et Eurosport. Et puis, il y a aussi des plateaux en direct, dont Stap 2, que vous connaissez certains d'entre vous. Et puis, Eurosport également. Sur, bien sûr, sur la communication, parce que ça c'est important, sur la communication, nous serons sur le visuel qui va être distribué, évidemment, je ne sais pas où, mais vous pouvez imaginer que le visuel, Jocelyn y sera, il y aura sur le visuel, il y aura Plumelec, il y aura sûrement, il y aura Jocelyn également, il y aura un VO, ce que je peux vous dire, et donc il y aura une espèce de présentation dynamique, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en 3D également. Il y aura un logo spécifique pour l'événement sur le nom de Marc Bretagne. Vous savez que c'est la région qui lance une nouvelle marque, Marc Bretagne. Il y aura un clip vidéo du conseil départemental. Ça, on a l'assurance parce que c'est David qui nous l'a assuré. Et puis, nous serons également aussi bien placés dans Morbihan Tourisme. Vous savez que c'est le journal du développement du tourisme du Morbihan. Voilà ce que je peux vous dire sur le plan de communication et enfin la visite de l'équipe technique de la Fédération française de football. De cyclisme. Non, je vous dirai hors séance pourquoi. De cyclisme viendra courant janvier, le président de la Fédération viendra lui-même en personne avec son équipe technique à Jos. Donc il m'a dit, s'il y a l'hébergement à Jocelyn, plutôt que d'aller ailleurs, nous louerons à Jocelyn. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Autre question? Pas de question? Qui est pour? Qui est contre? S'abstient à l'unanimité. Alors, une faveur qui est demandée, mais ce n'est pas une grande, bien grande faveur. Que nous avons de bonnes relations avec la Fédération française de cyclisme et la Fédération internationale. Il va se passer un mois avant, fin mai, ce que nous avons connu aujourd'hui, c'est-à-dire le prix international, comment il s'appelle, le Grand Prix de Plumelec. Et le Grand Prix de Plumelec, puisque pour alléger les préparatifs, sera une répétition du championnat de France, et en quelque sorte une répétition, au moins pour les courses contre la montre, à peu de choses près. Pour qu'on a connu cette année pour le Grand Prix de Plumelec. Et donc, c'est le même organisateur, il nous demande si on veut bien prendre ce Grand Prix de Plumelec bis repetita au mois de mai, c'est fin mai, j'ai plus la date. T'as pas la date ? J'ai plus la date en tête tout à fait. C'est le 29 mai, me semble-t-il. Hein. Le vendredi 29 mai, c'est ça ? Oh, ben, c'est moi qui l'ai écrit. Le vendredi 29 mai après-midi. Donc c'est le format de cette année. C'est une course féminine internationale, cette fois-là. Et elle vient de monter d'un cran dans les organisations internationales de la Fédération française de cyclisme. En contrepartie, il nous demande 2000 euros, comme cette année. Ça fait connaître Jocelyn. Ben, je pense que ça fait connaître. Ben, oui. Et donc, moi, je ne me suis pas engagé, mais j'ai souri. Donc, il a compris que je m'engageais. Mmh. Mais je lui ai dit, il faut quand même que j'avale les conseils aussi. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? S'abstient? Je considère que c'est à l'unanimité qu'ils sont en cours. Il y a une loterie, peut-être, qu'il y a un vélo à gagner, non? Ah, ça, on peut suggérer qu'il y a un vélo à gagner. Mais si tu gagnes le vélo, on te demandera de faire la course avec les jeunes femmes. Ah, vous savez, c'est pas un problème. Ça va te motiver. Ça m'aurait été en plus. Voilà. Je te vois monter la côte, c'est vrai. Dans certains cas, je suis pas de grandes choses. On n'a jamais douté. Voilà pour ça. Et moi, j'en ai terminé. J'étais long, peut-être, mais je voulais présenter ces dossiers-là parce que j'emporte une responsabilité. Bien. Donc, on va passer à notre budget. Notre budget général.
Jean-Pierre. Donc, il y a quelques des décisions modificatives nécessaires par les opérations suivantes. Donc, il y a une régularisation d'une écriture oubliée d'amortissement de travaux d'enfouissement au réseau d'électricité rue de Plermel. Donc, 4 613,85 €, c'est le compte 281-41-582. C'est la rue Saint-Nicolas. Oui. Donc, l'engagement financier aussi pour une mission d'audit informatique et CATIC pour 23 139,60, le compte 617. On en a déjà parlé de ce audit informatique il y a quelques temps. En commission finance, on en a parlé. Oui, et puis je vais en parler autrement, je crois. Eh ben, de toute façon, le groupe de travail, c'est déjà réuni. Oui, c'est pour remettre à flot. L'analyse de nos systèmes informatiques et téléphoniques. Ouais. Donc il y a le remboursement anticipé de l'emprunt relais contractualisé en décembre 2018. Donc soit 800 euros ou 400 euros, 400 000 ou 800 000. Donc vous savez, c'est ce prêt relais qu'on avait pris en 2018 pour pouvoir compenser les subventions et les commandes. La TVA, pour ne pas détruire un peu notre fonds de roulement et notre trésorerie. En fait, on a reçu assez rapidement les subventions, la TVA, on l'a bien reçue aussi au milieu d'année, et puis on a une trésorerie qui est assez saine. Donc on est dans la capacité de rembourser, donc on a mis les deux sommes, mais la somme de 800 000, d'autant plus que donc s'il y a quelques investissements qui ne sont pas réalisés, il y a une somme quand même qui est assez importante d'investissements qui ne sont pas faits, qui étaient prévus comme la Bellorion. On n'a pas fait tout à la salle d'Alzey, donc le PF. Tout ça permet de rembourser assez rapidement. Donc ce qui va permettre aussi de faire descendre l'endettement. Donc on descendrait l'endettement autour de 823 €, à fin 2019. Donc ce qui permet aussi d'avoir une capacité d'emprunter après, étant donné que tous nos projets à nous sont terminés. Donc pour les projets futurs, il y a une facilité de pouvoir faire des emprunts. Donc vous avez vu qu'il y a eu 4 scénarios de fait. Donc les scénarios 3 et 4, en fait, ne servent plus à rien. Donc il y a eu que les scénarios 1 et 2. Donc on propose le scénario à 800 000 avec prolongation du portage du TER par l'OPF. Ce qui détériore très peu notre projet. Donc la proposition de délibération, c'est d'adopter la décision modificative telle que présentée et d'autoriser le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches relatives à l'exécution de cette délibération et signer tout document relatif à cette affaire. S'il y a quelques questions à poser. Donc on est bien dans notre trajectoire définie. On ne sort pas. Même, je pense qu'on va pouvoir la consolider. Parce que cet emprunt, autrement, allait jusqu'en octobre, octobre-novembre 2020. Oui. Mais bon, c'est de se dire tout le temps, on a des fonds propres, un fonds de roulement de temps, il faut toujours avoir dans la tête en disant, mais il faut enlever 800 000, parce que c'est un prêt qu'on doit rembourser. Autant le faire si on le peut. Ce sera beaucoup plus simple. Oui. C'est ça, et puis c'est la vérité des comptes. Et c'est la vérité. C'est la vérité des comptes. Voilà. Et donc, il faut absolument, que pour le mandat suivant, voilà, les choses soient claires de manière à ne pas, parce que je ne sais pas si les banques seront frileuses pour consentir des emprunts, je ne sais pas. Mais voilà, si vous avez une bonne trésorerie saine, si vous n'avez pas un endettement. En dessous, largement en dessous de la moyenne, parce que nous sommes toujours avec un endettement remboursable en, allez, entre 12 et 15 mois, c'est ça. Comment
notre endettement résiduel serait... Bah, serait 823, ça veut dire un an et demi à peu près de... 18 mois. De remboursement. Ouais, de remboursement hein, donc, tout ça, c'est aussi des faveurs pour... des atouts pour négocier aussi. Donc voilà, c'est ce que je suggère, je propose très clairement que on rembourse les 800 000 euros. Et ça, c'est la première chose. Et par contre, dans nos comptes, on laisse une trace, puisque l'étant ainsi est ainsi décidé, on ne rachète pas le tertre, que voilà, que c'est de toute façon, à un moment donné, il faudra bien racheter, que les comptes inscrivent ces choses-là de manière à ce que ce ne soit pas une surprise pour ceux qui sont là. Ouais, bon, sachant qu'on a encore des subventions. Avenir. Et la TVA à rentrée au milieu de l'année prochaine, ça sera assez élevé. Oui. Donc, il a amélioré encore la trésorerie. Mmh. Tout à fait. Sans compter qu'il y aura peut-être même des résiduels de subventions en 2021. Ah oui, je tenais aussi à. Je ne sais pas, dit, mais il faut noter qu'on enregistre aussi le remboursement perçu dans le cadre de la procédure sur la maison de santé. On touche 89 700. Où il y avait eu des problèmes. De façon. C'est définitif ou non c'est... Ouais, c'est ça, c'est une avance. Ou une avance. En quelque sorte, c'est une avance. Et par contre, le tribunal n'a pas clos, le jugement n'est pas clos. Donc il peut y avoir d'autres sommes. Il peut y avoir d'autres sommes. En tout cas, ça c'est acquis. Je ne sais pas s'ils sont arrivés, mais j'espère. Si. Donc ça va être fléché sur des travaux de réadaptation. Nous, on les met dans le budget général. Nous, les travaux, on les a faits. Hein. Les travaux sont faits. Donc c'est des dettes dommages. Oui, c'est un peu tout. Alors, dire qu'il n'y a pas telle ou telle porte à changer ou un problème sur telle ou telle dette, ça peut arriver, mais non, ils sont sans affectation. Enfin, ils sont dans l'impôt. Le gros des travaux, on l'a fait. Je crois que j'ai étudié, il m'a dit une porte. Oui. Il y a les infiltrations des gens. Oui, mais ça serait bien utilisé. Je ne sais pas tout à fait. Il y a le tableau qui est à jour en permanence, mais pardon, il ne nous reste pas des quantités astronomiques en subvention à déposer. À rentrer. Oui, le budget. Il y a la fin de la congrégation. Oui. Il doit y avoir un peu de la fin de la basilique. Oui. Et puis la lumière. Et la lumière. Ouais. Donc il reste encore des choses à venir quand même. Ouais. Et en TVA, ça va être comme sans doute on a touché cette année, c'est-à-dire c'est autour de 400 000 par an. Mais on a une commission des finances la semaine prochaine, la semaine d'après. On peut faire le point. On fera le point là-dessus. Oui. Et puis. Pourra donner l'information au conseil municipal du mois de décembre. Mais toutes les subventions qui avaient été annoncées sont bien perçues. On reçoit bien et assez rapidement. Hein. Oui. Dès qu'on a fait le dossier, ça rentre. Ça veut dire que nos dossiers sont bien traités dans la commune et qu'on est bien en phase. Et ça, c'est le travail de nos agents. Merci la DGS et puis ses collaboratrices. Mais ça réagit vite. Mais c'est parce que c'est important ça, que les dossiers soient pris dans le bon sens et bien suivis. Et bien fixés. Voilà. Alors, on opte pour la réalité 800 000, c'est-à-dire remboursement de 800 000. Abstention, opposition à l'unanimité. Merci. Voilà, j'ai fait le tour de l'ordre du jour, qui est bref. C'est bien celui-là. Ah, alors maintenant. Ah, quand même. Voilà. Est-ce que tu as déjà reçu ? Non, tu le présentes. Non, je ne vais pas le présenter parce qu'on ne me l'a pas représenté. Ah bon ? On a un petit jeu. Tu as été à Rennes quand même ? Non, non, tu n'as pas été à Rennes. Non. Vous savez que nous avons eu la visite du jury, jury régional du. Chefferie pendant l'été, je crois que c'était fin juillet 2019, comme tous les deux ans. Et nous avions la semaine dernière à la région Bretagne la remise des prix, des récompenses.
Nous, nous sommes allés, évidemment, parce que nous faisons partie de cette association-là. Et à notre grande surprise, nous avons un prix spécial pour, suite à la visite cette année, le prix pour la mise en valeur du patrimoine décerné à la commune de Josselin. C'est un prix régional avec la signature du président de la région, du président du jury régional, André Gros, conseiller régional délégué, et puis de la présidente, vice-présidente du comité du tourisme, la présidente du comité du tourisme, qui est la conseillère régionale maire de Saint-Avé, Anne Le Gallo. Donc voilà, nous sommes partis très contents. Nous sommes partis doublement contents parce que la région propose que nous soyons de nouveau candidats à la quatrième place. Et donc, l'année prochaine, en 2020, c'est-à-dire avec un passage en jury au mois de juillet. Et donc, on ne candidate pas. Nous sommes, candidatés. Nous sommes candidatés, nous sommes cooptés pour être candidats, c'est-à-dire que c'est la région qui juge à ce niveau-là, parce que la quatrième fleur dépend du jury national qui juge si quelle commune mérite d'être lauréate. Et donc, nous serons de concert avec Saint-Launeuc en Côte d'Armor. Je ne sais pas si quelqu'un sait que ce soit Saint-Launeuc. Si. Je passe tous les semaines. Au-dessus de l'État. Tous les semaines. Voilà. C'est bien. Très bien, vous faites. Très bien. Ouais. Très bien aménagé. Très bien. Ouais. Donc, il faudra aller prendre de la graine. Ouais. Chantepie. Chantepie des Vilaines. Et puis, une vieille connaissance, puisque tout à l'heure, nous parlions de l'EPF. Nous avons beaucoup travaillé, œuvré avec l'EPF. Je crois que ça a été un bienfait pour Josselin, mais aussi un bienfait pour la commune de Mêlé, et pour lequel tout ce travail commun dans l'expérimentation, j'ai de bons souvenirs. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je ne pouvais pas refuser l'offre de l'EPF, qui nous a fait économiser pas mal d'argent dans les études. Donc la proposition de l'EPF, je ne pouvais pas décemment, à titre personnel, la refuser. Saint-Germain-Cobb, Idel, Josselin et la Mort-Plage. Voilà. Alors, combien y aura-t-il de quatre fleurs en Bretagne l'année prochaine? Nul ne le sait. Ce que j'ai eu l'occasion de dire ce matin, en remerciant d'une manière spécifique aux agents communaux, c'est de dire d'abord leur dire merci parce que c'est eux qui font le travail, la conception et le travail sur le terrain. Mais ce que j'ai aussi l'occasion de dire, le fleurissement, ce n'est pas uniquement pour les visiteurs. Alors on n'a pas la plaque, mais c'est pour le bien-être des gens qui habitent. C'est aujourd'hui la plaque officielle des fleurs, 1, 2, 3, 4 fleurs. Il n'y a pas de 5 fleurs, pas encore. Eh bien, c'est le bien-être de la population locale et puis, évidemment, l'attractivité que cela peut occasionner. Je regarde si c'est indiqué ici. Deuxièmement, nous avons lancé un atlas de la biodiversité. Il faudra le poursuivre parce que les éléments du jury sont aussi liés à la biodiversité. Et donc, ça veut dire en clair qu'on ne fleurit pas comme avant, on verdit, on embellit, et on sélectionne les espèces, que ce soit de fleurs ou arbustiques, de manière à ce que, évidemment, on respecte la biodiversité et puis la transition écologique. Voilà, c'est patrimoine nature, c'est patrimoine nature. Ben oui, c'est valeur mise en valeur. Prix pour la mise en valeur du patrimoine, ça veut dire que c'est un mariage heureux qu'on essaie de faire, qui a été repéré, entre le patrimoine bâti et le patrimoine naturel. Voilà, parce qu'on pourrait avoir un patrimoine tout minéral, on pourrait avoir beaucoup de verdissement, d'embellissement, et pas de patrimoine de qualité. Ben nous, on essaie de mener les deux de front. Voilà. Ça, je crois que c'est la vie. C'est ce qu'il y a de... Voilà, et je constate que Ville et Village, Village Étape
s'inspire un peu de ça aujourd'hui dans ses orientations. L'électricité de caractère. Et l'électricité de caractère également. Donc il y a une confluence d'orientation et de cohérence sur l'ensemble. Voilà, c'est bon. Prochain conseil municipal, donc c'est le 5 décembre, 20h. 5 décembre. 5 mai. Et puis. C'est indiqué depuis longtemps. Donc quand on a un beau carnet comme ça, on doit se dire. Non, mais je marque quand j'en fais un email, moi. Parce que ça change des fois. Et quand on lui envoie un email, il dit c'est pas sur mon carnet. C'est le 6. C'est un jeudi 6. C'est un jeudi 5. C'est un vendredi. C'est un jeudi 5. C'est le jeudi 5. Je suis en réunion. À 20h. Et puis. Ça fait longtemps que c'est réunion. Ça fait longtemps aussi, je suis en réunion. Oui, mais ça, c'est marqué. Oui, mais moi, c'est d'avant les vacances. Nous, c'est marqué depuis le mois de janvier. Ça a changé. Non, je m'en dis. C'est comme les erreurs. Non. C'est comme le bureau municipal, ça a changé. C'est justement parce que tu n'étais pas là qu'on a eu une chance. Et puis enfin, il y aura peut-être d'autres, mais il nous reste courant mandat. Il nous reste celui du 5 décembre, 20h, et celui du 20 février, 19h, je pense. Donc vous pouvez déjà noter, mais il n'a pas d'agenda du 2020. Oh, mais ça change. Non, ça changera pas. Quand vous dites bonne journée. Le jeudi 20 février 19. Voilà. Il se peut qu'il y ait, par contre, il se peut qu'il y ait une raison pour une autre, un conseil municipal supplémentaire. Peut-être au sport d'hiver. Hein. Oui, peut-être. J'ai jamais été. Celui-là, il sera, tu m'as dit, 19. C'est les finances. Voilà, donc c'est les finances. Hein, ce sera le budget de l'hiver. Donc. Je demande aux commissions de s'organiser par rapport à ces deux dates-là. Et puis, ce sont les deux dernières du mandat. Vraisemblablement, en tout cas, pour tous les chantiers. Je voudrais simplement vous rappeler, parce que vous êtes co-invitant, mais vous avez reçu une invitation pour le samedi 7 décembre, 15h45. C'est en quelque sorte, on ne peut pas appeler ça l'inauguration, mais c'est un rassemblement de nos partenaires qui ont participé au financement à travers divers contrats. Et donc on fera une petite déambulation quand même de 2 heures dans les rues de Josselin. Et puis ça se terminera par les discours officiels des buissons. Et puis un petit cocktail dynamique. Voilà, donc je compte sur vous, mais donnez vos réponses parce que l'organisation veut qu'on sache quand même très précisément qui sera là ou qui ne sera pas. Enfin, qui sera là surtout. Oui, il faut avant le 25. Vous avez peut-être répondu, c'est avant le 25. Avant le 25, c'est bien. Voilà. C'est bon. Répondre. À modifier un peu. Ah ouais. Voilà. Okay. Et puis après, il y a d'autres réjouissances, d'autres festivités parce que. Daniel, le flyer va sortir, puis Eric, le flyer des réjouissances de fin d'année. Les journaux, c'est déjà parti. Les journaux, c'est déjà parti. Oui, déjà parti. Donc, il y a une petite conférence de presse. N'oubliez pas de vous inscrire dans les différents. Enfin, surtout pour le premier. Voilà. Vous inscrire pour le théâtre. Oui. Vous inscrire. À la médiathèque. Parce qu'on joue. Oui, non, oui. C'est le Muppet Show, là. Hein? Voilà. Non, parce que les places sont limitées et c'est le cinéma. C'est le cinéma. Le théâtre, les places sont limitées. C'est Eiffel, c'est ça ? Eiffel. Très bien, je fais juste un peu ça. De temps en temps. La fois j'ai commencé par là, je commence pas. Christian, comment ? Quelque chose à ajouter ? Ah non, non. À retrancher ? J'ai perçu ces signes. Je n'ai rien à y ajouter, à y retrancher ou. Je ne me rappelle plus, mais enfin, ça se terminait comme ça. Merci. À échanger. Voilà, c'est ça. Comme on dit, camarade, non, tout va bien. Non, c'est bon. Merci. C'est bon pour moi. Si vous avez quelque chose à dire pour Joseph Saint-Bac, c'est maintenant ou après, ça sera trop tard. Après, ce sera trop tard. Effectivement, le temps.
Voilà, on donne ma chambre au chapeau. Monsieur Rénal. Je suis le chercheur, mais non. Non. Bon, bien, merci à vous tous. Bonne soirée. Je lève la séance.